Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors, toujours avec les premières années collège et aujourd'hui une leçon de conjugaison. Alors, on a vu presque tous les modes, aujourd'hui on va voir le mode impératif. Les modes qu'on a vus, c'est-à-dire l'indicatif, le subjonctif, le mode conditionnel, on l'a vu aussi bien avec les premières années, les deuxièmes années et les troisièmes années. Vous n'avez qu'à revenir à mes vidéos. Bien, aujourd'hui, on va voir l'impératif. Alors, l'impératif est un mode, comme l'indicatif, comme le subjonctif, comme le conditionnel. Et l'impératif, comme les autres modes, il a deux temps, c'est-à-dire un temps simple et un temps composé avec l'auxiliaire. Mais le temps composé est rarement utilisé. Donc, on va nous contenter de travailler le mode, le présent, c'est-à-dire le présent de l'impératif. Alors d'abord, on va voir ce que veut dire et comment on forme justement les personnes ou la conjugaison, quelles sont les personnes qu'on utilise dans la conjugaison. Vous suivez. Le mode impératif. L'impératif est un mode de conjugaison à deux temps. Je l'ai déjà dit, il a deux temps, temps simple et temps composé. Mais on va voir seulement le temps simple, parce que le temps composé est rarement employé. On conjugue le verbe à trois personnes. C'est-à-dire, lorsque je conjugue le verbe, j'utilise seulement trois personnes. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, la première personne du pluriel nous, et la deuxième personne du pluriel vous. Alors, on utilise tu, nous, vous, sans utiliser les pronoms. Sans utiliser les pronoms. C'est-à-dire, dans la conjugaison, je n'utilise ni tu, ni nous, ni vous. Par exemple, faire l'exercice, fais ton exercice. Donc, dans la phrase fais ton exercice, je parle à une personne, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier. Faisons nos exercices. Faites vos exercices. Oui? Reste à ta place. Restons à notre place, à nos places. Restez à votre place. Oui, si on peut prendre un exemple de la classe de la bille bleue. Oui, dis la vérité. Le professeur parle à l'élève, dis la vérité. Disons la vérité. Dites la vérité. Donc vous voyez que dans la conjugaison, on n'utilise pas les pronoms. Vous êtes bien. Alors, l'impératif présent. Alors, comment je conjugue l'impératif présent? Dans la plupart des verbes, ou tous les verbes, on utilise ou bien le présent de l'indicatif et quelquefois le présent du subjonctif. Donc, l'impératif présent égale présent indicatif ou bien présent subjonctif. Alors, je m'explique. Si on prend par exemple le verbe regarder. Au présent de l'indicatif, je dis je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Je vais prendre les trois personnes de l'indicatif, c'est-à-dire tu, nous et vous. Donc, tu regardes va devenir regarde. Regarde la mer. Regardons la mer. Regardez la mer. Sauf que dans l'impératif, on ne met pas le S. Regarde. Vous y êtes? Donc, on a utilisé le présent de l'indicatif. On a ici le verbe parler, parler, parle, parlons, parler. Sortir, sort, sortant, sortez. Finir le travail, fini, finissant, finissez le travail. Oui? Donc, le présent de l'indicatif. On utilise la conjugaison du présent de l'indicatif. Quelquefois, le subjonctif présent, comme avec le verbe savoir. Il faut que je. On a déjà vu le subjonctif. Il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Donc, je vais utiliser sache, sachant, sachez. Sache que je t'aime. Oui? Bien. Le verbe être aussi. Alors, en subjonctif, il faut que tu sois tranquille. Donc, à l'impératif, je vais dire, sois tranquille.
Soyons tranquilles. Soyez tranquille. Le verbe avoir aussi. Hein? Il faut que tu aies ton livre. Aie ton livre. Ayant nos livres, ayez vos livres dans le cartable. Alors, j'espère qu'on a compris la formation de ces, de ce temps, c'est-à-dire le présent impératif. Ce n'est pas difficile à conjuguer. Il suffit de revenir à l'indicatif présent ou bien au subjonctif présent. Maintenant, on va passer aux valeurs. C'est-à-dire, les valeurs, c'est-à-dire quand est-ce que j'emploie l'impératif. Et on a déjà vu hier dans la communication qu'on emploie l'impératif dans l'ordre, lorsque je donne un ordre à quelqu'un. Eh bien, la première valeur de l'impératif, alors, l'impératif exprime l'ordre, oui, et la défense. Alors, l'ordre, lorsque je dis à quelqu'un de faire quelque chose. La défense, l'inverse, lorsque je dis à quelqu'un de ne pas faire. La défense. Alors, on a des exemples ici. Fais attention. Je parle à un enfant qui va traverser. Fais attention en traversant. Et là, ne touchez pas à ce poteau. La phrase est négative, donc c'est la défense. Donc, lorsque la phrase est négative, j'exprime la défense. Lorsque la phrase est affirmative, j'exprime l'ordre. Vous y êtes ? Bien. La deuxième valeur, il exprime l'exhortation. Alors, l'exhortation, ça vient du verbe exhorter. Et exhorter, c'est parler à quelqu'un pour l'encourager. Oui. Et là, on l'utilise beaucoup dans les matchs de football. Là. On a l'exemple, on parle à un joueur. Vas-y, fonce, marque le but. Donc, tous ces verbes, ils expriment l'exhortation. On peut aussi utiliser l'exhortation en faisant parler la personne à elle-même, à nous-mêmes. Oui. Soyez courageux. Et là, je parle à groupe. Soyez courageux. Là, c'est l'exhortation. J'utilise la première personne du pluriel. Oui. Bien. On exprime aussi toujours les valeurs, la supposition. Alors, la supposition, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux propositions, deux phrases que je relis, lorsque je ne peux pas faire une action sans faire l'autre. Oui, une action dépend de l'autre. On appelle aussi quelquefois la condition, quelquefois avec l'expression « si ». Et on va voir lorsqu'on va étudier, je ne sais pas si je l'ai déjà fait avec vous, l'expression de la condition. On va la voir. Alors, la phrase ici. Insulte ton frère, tu seras privé de tes jeux. La maman a un fils. Insulte ton frère, voilà l'impératif. Insulte ton frère, tu seras privé de tes jeux. Je peux refaire la phrase avec si. Si tu insultes ton frère, tu seras privé de tes jeux. Et là, si tu insultes, là j'ai mis le présent. Mais si je ne veux pas mettre le présent avec si, je mets seulement le verbe impératif. Insulte ton frère et tu seras puni. Oui. Menace-moi et je te donnerai un coup. Le deuxième verbe est au futur. Vous y êtes. Si je peux faire la phrase. Si tu veux réussir, et là le premier verbe est au présent, la condition, fais des efforts en classe. Voilà l'impératif. Si tu veux réussir, fais des efforts en classe. Je peux refaire la phrase en remplaçant fais par un autre temps, oui. Si tu fais des efforts, hein, tu réussiras, si j'inverse la phrase. Si tu fais des efforts, tu réussiras. Oui? Donc là, c'est la condition, c'est la supposition, la condition. Une autre valeur, la concession. Ce sont des mots un peu qui vous paraissent énormes, mais lorsque j'explique, c'est-à-dire, j'espère que je suis claire là. Donc, la concession, l'exemple, insulte-moi, je ne ferai pas la même chose.
Alors, la concession, c'est lorsque dans la deuxième phrase, je mets la négation. C'est-à-dire, toi, tu me fais du mal et moi, je ne vais pas faire la même chose que toi. Oui? La deuxième phrase doit être à la forme négative. Oui? Insulte-moi, je ne ferai pas la même chose. Insulte-moi, je ne serai pas méchant avec toi. Ou méchante avec toi. Vous y êtes? Alors, la concession aussi, on va l'étudier dans une leçon de grammaire. Elle vous sera beaucoup plus claire dans l'explication. Alors, j'espère qu'on a compris le mot d'impératif. Retenez surtout les trois personnes employées sans pronom. Apprenez la conjugaison des verbes et c'est facile. Apprenez les verbes de temps en temps, l'impératif. Et essayez de comprendre les valeurs, c'est-à-dire quand est-ce que j'emploie l'impératif. Alors, on l'emploie surtout dans l'ordre et la défense. Et on a déjà vu l'ordre hier dans la leçon de communication. Oui? À la prochaine fois.